Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu totalement what the fuck. Du coup un petit jeu indépendant que j'ai trouvé sur Indie Game, tout est listé en barre d'infos, ne vous inquiétez pas comme d'habitude au cas où si vous voulez le tester. C'est Watermelon, la seule touche que j'ai pour m'échapper, c'est espace. Il va falloir que je fasse parcourir à ce petit melon, je ne sais pas combien de routes pour qu'il s'en aille, avec juste la touche espace. Donc en termes de gameplay, on est sur un truc pas dégueulasse. Donc je crois que je peux doser avec ma touche par contre. Ah tu vois déjà là on est... Voilà. Il faut que je lui fasse faire le moins d'espace possible et que je le fasse rouler le plus possible, ce petit melon. C'est un melon? Ou une pastèque, ce machin? C'est une pastèque? Attends. Non, c'est une pastèque. Oui, c'est la pastèque, Watermelon. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est bon, je ne dis pas... Non, pourquoi tu recules? Reviens où t'étais? Tu reviens, Michel. Apple. Oh là, mais attends, il va canner, là, mon melon. Voilà. C'est comme ça qu'on roule. Qu'est-ce que c'est que cette musique? J'aime bien parce qu'il y a toute une ambiance autour de ce melon. T'as une qualité graphique franchement qui est très jolie. T'as une musique d'ambiance impeccable. T'as des effets magnifiques. Pour un melon qui roule. J'entends des bruits étranges. Vous entendez cette musique? Vous êtes stressé aussi comme moi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des... Roule, melon, roule! Quand je vois le melon... Enfin, quand je dis... Pourquoi melon? C'est une pastèque. Arrête de dire melon, c'est pas vrai. Roule! Roule, petite pastèque. Fuis! Fuis vers ta destinée! Ta destinée est de t'enfuir, ma petite pastèque. Allez, tu peux le faire. Allez, ça glisse. Impeccable, on est sur un bon filon là. C'est quoi qu'il y a là-bas? Ah bah attends, comment tu veux que je fasse là? Ah! Ah, il y a une route. Qui me dit qu'il n'y aura pas de bagnole? Ah! Mais genre, non mais alors, mais genre le mec, déjà tu déboules à cette vitesse là, normalement t'es décédé. Oh non, mais non, du coup je dois tout recommencer. Attends, dis-moi que non. L'histoire ne peut pas se terminer comme ça. Donc du coup j'étais en train de penser à cette pastèque et du coup quand je parlais de melon tout à l'heure, j'étais en train de penser aux vieilles blagues de melon et melèche que je ne ferai pas. Mais il y en a pas mal quand même, des blagues de bouffe par rapport à ça. J'aimerais bien que petite pastèque tu roules toute seule, voilà, vers ta destinée. Et si possible, ta destinée de ne pas se faire écraser. Ah, vas-y, roule. Oh, le jeu d'une grande qualité quand même. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que le personnage de base n'est pas modélisé, du coup en attendant ils ont mis une pastèque pour faire office de personnage. Comment ça se passe? Ah bah là on est vers la route clairement, mais bon... Oh, joli gobelet. Vu la couleur de du melon, on est dans la merde. Ouh, c'est bon. Mais non, je vais m'éclater comme une merde maintenant. Je suis rouge, donc je pense que c'est que je vais exploser. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais je me rééclate sur cette autoroute de merde, sur cette route de merde. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Merde à la fin. Pastèque, je t'en foutrais une pastèque. Tu parles d'une histoire d'une pastèque. Bouffez-la, on n'en parle plus. Bouffez-la en salade, cette pastèque de merde. Oh, mais mince. Bah, c'est pas grave, on y retourne, que voulez-vous? Voilà. Bon. Je sais pas le cooldown qu'elle a, la pastèque, avant de pouvoir la refaire rouler. Ah, attends, là, on est sur un bon truc. Vas-y. Non, t'es sérieuse? Roule. Telle est ta destinée. Tu dois rouler, tu ne finiras pas en salade. Vas-y. D'ailleurs, c'est quoi l'histoire de cette pastèque? Parce qu'au-delà du petit menu, là, bien sympatoche, qu'est-ce que c'est que l'histoire de cette pastèque? Ça se trouve, on ne sait pas, hein, ils nous l'ont pas dit. Ça se trouve, c'est une pastèque qui a vécu une grande histoire d'amour avec un petit melon. Ce petit melon a été kidnappé. Et la pastèque va tout faire pour retrouver son petit melon d'amour. Et ça, bah, c'est ce qu'on n'oublie pas, quoi. Donc, du coup, cette putain de pastèque, quand j'ai vu qu'elle passait pas le truc, cette petite pastèque est prête à tout pour sauver son petit melon d'amour. Et ça c'est beau, ça c'est beau.
Pourquoi on s'emmerde à faire des films de romance à la Twilight quand on peut prendre une petite pastèque et un petit melon? C'est magnifique. Hein. Moi, j'ai rien d'autre à dire. C'est magnifique. Oh, regardez, ça roule tout seul. Oh là là. Tu vois clairement que la petite pastèque est amoureuse. Ah, par contre, là, je suis dans la merde. Je me coince. Je me coinceouille, là. Il faudrait que je me mette dans l'autre sens, s'il vous plaît. Voilà. Comme ça. Maintenant, je continue de rouler, ça serait parfait. Impeccable. Bon, faut que je fasse attention de ne pas me faire grailler par encore la bagnole. Hein. Oh, je suis dans les tons... Vas-y doucement, petite pastèque. Voilà. Telle est ma technique. Voilà. Vas-y, roule gentiment. Je saute, je vous préviens, s'il y a un truc, je saute. Je vous préviens, direct. Yes, on l'a passé. C'est bon, ça. On a passé. On l'a passé, c'est bon. Je sais pas ce qui nous attend. Est-ce qu'un méchant, je sais pas, un méchant coquelicot va venir nous attaquer? Je ne sais pas. Oh, non, 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 je commence à être dans les tons orangés, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils se foutent de ma gueule? Air to retry, non mais... Ils se foutent de ma gueule? Écoute, Marie Melon, tu vas rester là où t'es. Et tu vas pas commencer à me casser les mirabelles. Parce que là, tu commences fortement à m'agacer. Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bah écoute, on va recommencer, c'est tout. Tu parles à l'histoire d'un... Oui, bah c'est ça, va. Vas-y, remballe-la ton histoire, c'est bon, je me débrouille. Est-ce que t'as vu le saut qu'il faut que je fasse pour accéder au bateau? Je vais me claquer. C'est quoi? En fait, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire, je reteste encore une fois. Je suis sûre que c'est un attrape-pigeon, ce machin. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ça s'arrête là, voilà, tout simplement. Tu fais ta bagnole et puis voilà, c'est terminé. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour l'histoire de Watermelon, les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Il n'y aura pas eu grand-chose au final sur ce jeu. C'est un petit jeu indépendant que je trouvais cool quand j'ai lu et bah, quand j'ai regardé 2-3 photos. Mais c'est chiant. C'est quelque chose qui est chiant, faut retry. Et je ne pense pas que tu puisses accéder au bateau, ou à moins que tu arrives à sauter sur les autres pastèques qu'il y a, mais je pense pas, parce que vu l'angle de la caméra, vu la façon dont c'est fait, je ne pense pas que tu puisses y accéder en fait. Donc en attendant, n'hésite pas à suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, PSN et autres. De toute façon, tout est listé en barre d'infos. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao.